Salut, salut! Bon, mais ça fait presque un mois que j'ai pas partagé, donc je vais donner quelques nouvelles. Pourquoi j'ai pas partagé? Tout simplement parce que le maçon est parvenu, ça commence à me poser des problèmes. Parce qu'il y a le charpentier qui attend derrière pour la charpente et on espérait pouvoir remettre hors d'eau avant l'hiver, mais là, c'est pas gagné. Mais bon, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois? Il y a 15 jours, j'ai fait une petite acquisition. Donc un tracteur, j'en avais pas besoin spécialement pour ce terrain-là. Même si des fois un bon godet m'aurait bien servi. Mais c'est pour un deuxième terrain, une parcelle forestière qui a été coupée, où j'ai l'accès à redégager, etc. Donc là, pour l'instant, l'accès sera possible qu'en tracteur. Donc j'en avais besoin là. Donc j'ai trouvé ça d'occasion, c'est un AFTO, un 40 chevaux. C'est de la fabrication russe, mais bon, il était bien entretenu et pas trop cher. Et le godet devant, parce que je voulais absolument un godet, hein, c'est un godet d'1m80. Et le chargeur me monte presque jusqu'à 3 mètres de haut. Donc la cabine est un peu basse, pour moi. Mais au moins, tant que je peux pas le rentrer à l'intérieur, ça me permet de garder le siège au sec. Devant, avant que ça soit trop mouillé, j'ai continué à dégager, à stabiliser le sol, là. Bon, j'ai pas pu aller jusqu'à l'entrée, parce que rattrapé par la pluie. Le but de dégager ici, c'était à la fois d'élargir devant le pignon pour manœuvrer correctement lorsqu'on évacuera, du coup, avec le tracteur, toutes les pierres, etc. Et l'autre intérêt de cette zone-là, c'était aussi, j'aurais pu en faire une zone de stockage pour le bois de la future charpente, hein, en la mettant bien à plat sous tôle. Mais du coup, je sais pas si j'aurai le temps de finir avant. Donc, on va dégager un peu le hangar et le garage en plan B pour rentrer dedans. Donc, j'ai creusé ici, hein, je suis pas encore à la moitié, hein. On aperçoit ma tige qui fait le niveau ici. Et j'ai gratté aussi un peu en face, au pied du noisetier. Donc toute cette zone-là, je ne fais que dégager le plus gros de la terre pour l'instant. Parce que à terme, je vais avoir mes évacuations qui vont passer par là, à la fois au pluvial et au grise. Donc lui, il va falloir certainement que je le dessouche. Le broyeur de branche est arrivé là, parce qu'il a toujours son problème moteur. Donc j'ai racheté un autre moteur un peu plus faible, mais qui a priori a le même carburateur et le même bloc échappement. Pour voir en échange si j'arrive à identifier d'où est la panne, avant de racheter la pièce. Lui, je m'en suis toujours pas occupé, faut que je tombe la barre de coupe pour remettre la courroie. Le jardin, vu que c'est détrempé, on n'y met plus trop les pieds. Hein. Il me reste encore les carottes à récolter, les potimarrons à ramasser et la bande de fraisiers à finir. Le poireau, on a commencé à en sortir un peu. Et je voulais faire toute cette zone-là pour mettre la bâche que j'ai là-bas en lieu et place de mes tôles. Parce que mes tôles, au prix où ça coûte, je ne vais pas les laisser là. Je vais quand même les récupérer pour essayer de faire une construction. Mais je ne m'en suis pas encore occupé. Au niveau de la prairie, j'ai refauché en partie, bien marqué avec des bambous tous mes petits pieds de chêne, quoi y compris derrière, hein, je ne vais pas vous amener. Et là, il me reste cette partie-là à faire encore. Et ici, pendant qu'on est là, hier j'ai été chercher un peu de bois. Donc il y a, ça doit être 56 voliges. Donc c'est du mélèze. Parfait pour un bardage, par exemple, hein, ça fera certainement le bardage de mon pignon. Donc c'est en 4 mètres de long, donc là encore une fois la remorque est bien pratique. Hein.
Et en section, c'est du 18 d'épais sur 12,5 de large. Donc, celles qui sont devant, c'est les plus ternes, hein, c'est celles qui étaient sur le tas quand il a été livré, quand le vendeur a été livré. Et j'ai récupéré ça à un tout petit peu plus de 300 € le mètre cube. Donc là, il y a un demi mètre cube. Hein. Ça reste très honnête. Le seul truc, c'est le gasoil pour aller le chercher. J'ai arqué aussi mes fruitiers pour faire un essai, avoir une mise à fruits plus rapide. Hein. Donc avec des ficelles pris dans la fixation du piquet. Mais je l'ai fait tard, donc j'ai eu quelques casses dans les branches quand même. Autre nouveauté ce mois-ci, c'est le retour des coulemelles. Donc, bon, on a déjà mangé une trentaine. Hein. Donc là, il y en a encore deux à sortir. Trois, même, une au bout là-bas. Et j'en ai dans la prairie directement aussi. Là, il y en a deux, par exemple. Là, il y en a encore une qui ressort. Donc, on se régale avec. La première serre, pour l'instant, j'en ai fait une pépinière. Là, ben, la terre est trop trempée, donc j'ai pas eu le temps de finir le sol. La ferraille, il faut que je m'en occupe. Mais avant, avec ma grande remorque qui est derrière, il faut que j'aille chercher du bois d'œuvre demain, là, une bonne occasion. Donc, je vais voir tout ça. Et le plus gros boulot au jardin qui reste là, c'est le butin. Hein, parce que là, actuellement, on voit bien ici. J'ai tôle, palette et foin par-dessus. Et là, je voudrais juste mettre une bâche, palette et foin par-dessus, de manière à récupérer les tôles. Il y a des fois, on a des mauvaises idées et on est obligé de tout refaire. Au bout, par là-bas, ben, ça a pas trop changé, hein. Toujours la même chose, hein. C'est trop mouillé pour travailler la terre pour le moment. Donc les coulemelles, je les ramasse au fur et à mesure. Hein. Là, elles sont pas complètement ouvertes, mais celles-là, elles étaient en bord de route dans mon fossé. Donc je les ai ramassées avant de me les faire piquer. Cette zone-là, ben, j'ai pas continué à amener mon bois, j'ai pas continué à préparer la plantation, la continuité de ma haie. Hein, donc j'ai les plants dans la serre. Je passe juste un coup de motofaucheuse de temps en temps au fond là pour la garder propre. Et les kiwis, bah, on attend encore un peu avant de les ramasser. Hein. Mais va encore y avoir de quoi dans la liane, c'en est plein. Sachant que j'ai toujours pas dégagé toute cette zone-là non plus, là où j'avais coupé pas mal de branches, etc., pour enlever le poteau EDF. Donc pas grand-chose, bon beaucoup d'activités personnelles à côté, hein. Pas mal de soucis en ce moment au niveau familial, mais on reste pas sans rien faire. L'activité, c'est la santé, donc on continue. Si j'ai aussi continué à taper un peu dans le tas de terre et sale que j'ai ici là. Allez, sur ce, je vais pas faire trop long hein, parce que pas grand chose à dire. Je vous dis à prochainement, je sais pas quand. Portez-vous bien, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et Kenavo!